Coucou à tous, c'est Krim, on se retrouve pour un nouvel épisode du Wonder Child Challenge. Donc voilà, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et on est parti. Donc je sais pas si vous vous souvenez, dans l'épisode précédent, Andrea était aux portes de l'adolescence. Hein, donc il nous reste très peu de temps pour finir... de valider la compétence faculté motrice. Donc après, ce sera, franchement, on s'en sera bien tiré si on arrive à finir ces quatre derniers points qui nous manquent. J'en profite aussi pour faire un petit point sur le score à ce moment de la partie. Donc je vous mets là tout de suite une petite capture d'écran avec le score actuel auquel il faut rajouter les points de bambin, puisque ma feuille de score a été faite à un moment donné où les bambins n'étaient pas encore là, donc elle ne tient pas compte de ces points là donc j'ai réussi à obtenir un score de 33 points pour le stade bambin. Donc voilà, il faut rajouter les points de bambin au point que vous voyez sur la feuille tout de suite. Voilà, ce petit point étant fait, on peut maintenant aller s'occuper d'Andrea et le faire passer adolescent et essayer de finir cette compétence faculté motrice. Alors c'est parti. Là, il faut qu'il aille à l'école déjà. Un petit peu à la bourre. C'est l'heure de l'école. Allez, go. Ah, dépêche-toi, t'es pas en avance, mon gars. Ah là là. Bon. Dès qu'il revient, on s'occupe de sa compétence faculté motrice. Donc, il va aller faire de l'échelle horizontale. Hop, Céleste, elle part au travail. Et toi, tu t'ennuies, t'as envie d'aller au fourmilion, donc il n'y a rien qui va dans ta vie, hein, mon pauvre. Allez, hop, utiliser, tu dois bien avoir un truc à manger là-dedans. Ouvrir. Voilà, prendre une portion. Ensuite, tu t'ennuies, tu vas regarder un petit peu la télé. Et après, tu iras récolter tes fruits et légumes. Voilà. Donc d'ici voilà, un ou deux jours, on va rentrer dans la phase terminale du challenge, hein, puisqu'on va passer à la phase adolescente. Ce sera notre dernière occasion de récolter un maximum de points. On s'en fiche. Voilà. C'est la mère. Nous, on attend que le fils rentre de l'école. Ça y est, ça va mieux. Bon, ça va mieux pour toi. Allez, hop. Tout récolté. Ça, il y a des trucs à faire évoluer. Non, c'est pas là. Voilà. Allez, hop, hop, hop. Donc, on n'a plus qu'à attendre qu'Andrea revienne. Ce qui devrait plus tarder maintenant. Hop, le voilà. Allez, où t'es fatigué, mais c'est pas le moment. On va valider les 4 points qui te manquent. Allez, c'est parti. Allez, tant que tu tombes pas de fatigue, je te l'ai déjà dit, c'est que tu es capable de le faire. Pendant qu'il fait ça, on va s'occuper de son père. Il s'ennuie. Bah écoute, il va parler à ses plantes. Hein. Voilà. Aïe, ça fait mal. Allez, allez, allez. Il reste pas grand chose. Une journée, même pas. Il doit rester un peu plus de 24 heures. Allez, allez, allez. Voilà, encore 3 niveaux. Ah, qu'est-ce que t'as? Eh ben, vos toilettes, mon petit, vos toilettes. Hop, prendre des restes. Regardez la télé. Toi,
Parle à ta plante, je te l'ai dit. Allez. Allez, hop hop hop. Il n'y a pas, je vous dis tout de suite, il n'y a pas moyen qu'on valide pas cette dernière compétence. Je sais pas comment, mais il n'y a pas moyen. Donc, il va être obligé. Je refuse d'être mise en échec par une dernière compétence. On n'est pas encore passé. C'est bon, il reste encore plus de 24 heures. Allez, valide un dernier point, après tu peux aller te coucher. Bon, d'accord. Ok, c'est bon, tu peux aller te coucher un petit peu, mais pas beaucoup. Prendre des restes, dormir. Et dès que tu as récupéré un petit retour, mon vieux. Allez, tu manges. Vous voyez, je suis pas une sauvage quand même. Je fais manger ces enfants, c'est déjà bien. Hop. Bah, tu vas un petit peu nettoyer parce que c'est un peu dégoûtant chez toi. Toi, tu vas venir réparer. Après, tu vas regarder la télé. Je vais même pas regarder où on en était là. Je vais dans une. Ouais, bah ça, c'est pas grave. Hein. On va pas. C'est pas grave. Alors, on va le laisser récupérer un petit peu. J'ai mon chat qui exprime son désaccord, je sais pas trop pourquoi. Voilà, voilà. Donc, on en est où, toi? Bon, on dort encore un petit peu. Ouh là là, je sais pas ce bazar là sur la table. Ça va pas du tout, tout ça? Et franchement, chez vous, c'est une porcherie. Hein. C'est. Allez, faire la vaisselle. Bon, je crois qu'un petit crac-crac s'impose après. Pour remonter le moral de tout le monde. Qu'est-ce qu'il mange, je t'ai dit. Hop, prendre des restes. Et après, faire crac-crac avec Céleste. Et toi, t'en es où? Allez, là encore un petit peu. Et dès que ça passe au vert, c'est reparti. Hop. Jouer. On a une douche. Allez. C'est bon, vous avez tout remonté. Alors, au lit. N'inquiétez pas, je surveille votre enfant. Bien que je ne sois pas sûre que ce soit une bonne idée de me le confier. Allez, 8. Alors, attends, tu vas d'abord. Oh, les toilettes sont cassées. Allez, remplacez. Tu vas d'abord utiliser, prendre une douche et t'y retournes, mon vieux. Il en reste encore deux. On a fait la moitié. Et ton anniversaire est toujours dans un. Ah non. Zéro. Pourquoi ça pas. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Attendez, parce que j'ai comme un doute. Non, bah non, je verrai pas le nombre de jours si la barre avançait pas, mais. C'est bizarre. Puis j'ai pas eu le message en me disant que c'était bientôt l'anniversaire de machin. Non, on va très bien. Allez, on y est presque. Je m'en fiche, hein, s'il faut, tu vas pour l'école. Je crois que tu vas pas aller à l'école. On va appeler pour dire que t'es malade. On peut faire ça, non?
Prendre un jour de congé. On peut faire ça? Oh bah oui, t'as des vacances. Eh bah allez. Vas-y, prends un jour de congé. Et après, t'y retournes. Voilà, c'est bien. Ça aurait été cool si on avait pu faire ça, nous, à l'école. Oui, aujourd'hui, je prends un jour de congé. Voilà, nickel. Allez, 9, on y est presque. Oh, excusez-moi. Alors, ah, c'est bientôt l'anniversaire de Céleste. Mais il me dit toujours pas que c'est l'anniversaire d'André. C'est bizarre. Faudrait pas qu'il... Allez, on y est presque. Il nous manque... Ah oui, 50% quoi. Il est au bout de sa vie. On va attendre qu'il s'écroule et après j'enverrai au lit. Allez, 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 tu y es presque, mon bonhomme. Allez. Allez, 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 allez. Non mais on sèche déjà les cours, nous, Pierce. Tu vois bien qu'il y est pas à l'école. Oh, c'est dommage, il ne manque rien là. On en est... Ah vas-y, 10%, tu les fais, après tu vas te coucher, c'est bon, hein. Allez, un petit effort. Allez, 3, 2, 1, bingo. Allez, hop. T'as le droit d'aller te coucher, va. Au lit. Bon, bah, je suis contente. Du coup, je pense qu'on va essayer d'organiser une petite fête d'anniversaire pour essayer de récolter quelques points aussi avant son passage... Ben, à l'âge d'adolescent, ce qui m'embête là, c'est que j'ai toujours pas de message ou de... Alors qu'elle non plus, on me dit que c'est bientôt son... Ouais, c'est bizarre. Ben, on verra quand il se réveillera, on va peut-être organiser une petite fête, essayer de la finir avec la médaille en or et essayer de grappiller quelques points vu qu'on a chopé tous les points qui étaient disponibles au niveau des compétences enfants. Alors, ensuite, toi tu vas aller entretenir le jardin, mon petit. Parce que franchement, il y en a besoin. Et après, on va organiser une grosse teuf. Allez. Allez, ben, on peut pas faire évoluer. Faire évoluer. Après, t'es pas obligé de dormir toute la journée non plus. On va attendre que ça passe dans le vert. Et on va organiser une fête d'anniversaire. Alors, je suis pas très douée pour récolter la médaille d'or pour les anniversaires. On va voir si on y arrive cette fois-ci. Quand il est passé au stade enfant, ça a été une vraie calamité. Mais là, on va peut-être le faire. Avec un peu de chance. Hop, Céleste, ok, magnifique. Tu vas aller manger, prendre des restes, prendre une douche. Allez. Hop, tu vas peut-être pouvoir récolter. Tout récolter, on les reste. T'en es où? Allez, bingo. Prendre des restes et on va organiser une fête à 19h, tout est normal. C'est pas toi qui dois le faire, j'imagine. C'est ta mère. Un magasin. Organiser un. Bah, il pouvait pas ça. Ah, non, il pouvait pas. Ah, oui. Non, mais j'en apprends tous les jours en fait. Donc, les enfants ne peuvent pas s'auto-organiser de fête d'anniversaire. Il faut que ce soit leurs parents, ce qui est plutôt logique, hein, somme toute. Alors, quand tu veux, hein, Céleste. Hein. Quand tu veux. Hop.
Hop, toi tu peux aller aux toilettes. En attendant que tout le monde arrive. Fête d'anniversaire. Hop, alors, cliquez, sim célébré, c'est Andrea. Ok, inviter un sims. Et bah, on va dire qu'on invite tes parents. Voilà. Sur le lieu, ben, à la maison. Ouais, c'est ça. Hop. Voilà. Alors. Boire et tout ça. Donc on va aller acheter de quoi boire. Bon, on va mettre une fontaine. Une fontaine à boisson. Fontaine derrière. Voilà, hop, on va mettre ça là. Et une fontaine par-dessus, magnifique. Donc, toi tu vas aller faire un gâteau déjà, parce qu'on aura besoin d'un gâteau. Cuisiner. Gâteau. Gâteau. Toi tu vas aller boire. Donc, tu vas aller aux toilettes d'abord. Toi, hop, fini de manger. Va remplir la fontaine de cocktail de jus de fruits. Voilà. Il faut qu'ils jouent à un jeu tous les trois en même temps. Il doit y avoir un jeu vidéo comme ça où ils peuvent jouer tous les trois en même temps. Jeu récréation. Non, ils sont plusieurs. On peut pas jouer à plusieurs. À quoi? Ah voilà. Hop. Allez, on est parti pour une super fête d'anniversaire. Hop, toi tu vas aux toilettes. Hop, toi tu bois. Toi tu bois aussi. Toi. Toi tu viens boire aussi. Après vous allez aller jouer. Ah, il va falloir de la musique aussi. On verra ça après. J'en vais attendre qu'elle ait fini son gâteau. Voilà. Voilà, ensuite. Jouer avec. Voilà, dès qu'ils auront fini de boire, ils iront jouer. Enfin, j'espère. Voilà. Voilà. Ensuite, parle en étant heureux. Bah, il est heureux là. Allez, parle à ta mère. Éliminer la journée. Allez, arrêtez de jouer. Là, c'est bon. Voilà, super. Allez. Voilà, ensuite. Il faut donc de la musique. Donc on prend le gâteau à la fin. Musique. Une petite chaîne ici. Si. Où ça devient le bordel dans le jardin, je sais. On vendra tout ça après. Allumer. Allez, disco. Ok. Ensuite, on va donc faire danser. Danser. Et danser. Voilà. Complimenter le Sims qui fête son anniversaire. Ça, c'est easy. Amical. Exprimer son admiration peut-être.
Non, amical, plus de choix. Félicité. On va voir si ça passe. Ça marche pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Plus de choix, amical, complimenté. Voilà. Et ça marche pas. Arrête de danser. Ah oui, il faut le faire 4 fois. Pardon. Excusez-moi. J'avais pas suivi. Ok, il ne peut plus le faire. Avec son père. Plus de choix. Amical. Plus de choix. Mais comme il va pas bien, il va pas vouloir. Et bah va aux toilettes, mon petit, va aux toilettes. Maman, toi tu vas attendre. C'est chacun son tour. Attendez, j'ai une idée. Ouvrir. Plus de choix, ouvrir. Il reste un vieux gâteau là, on va manger les parts. Avant de souffler l'autre. Ah non, pardon, excusez-moi. Alors, toi. Hop, manger. Hein, ensuite, toi, je t'ai dit d'aller aux toilettes, non? Prends une part. Toi, pareil. Il va pas y en avoir assez. Ah si, c'est bon. Allez, on y va. Ensuite, toi, tu vas pouvoir retourner aux toilettes. Utiliser. Avant d'aller dormir, tu vas reprendre un morceau de gâteau, s'il te plaît. Voilà, voilà. Ah, échec. Je n'ai pas été assez vite. Bon, ben, c'est mort. Tant pis. Écoutez. Je savais de toute façon que les fêtes d'anniversaire c'était pas mon truc. Donc on va se débarrasser de tout ce bardal là. Hop, vendre. Et vendre. Oui, parce qu'on va avoir besoin d'autre chose. Donc on va profiter qu'il lui reste jusqu'à ce qu'il grandisse tout seul. On va lui faire gagner quelques compétences puisqu'on peut. Qu'on a débloqué quelques compétences d'adultes. Donc il va avancer un petit peu la logique. Hop, déjà il va aller se doucher. Ah, je m'en veux, on a perdu du temps pour rien en fait. Bon bah tant pis. J'aurai pas les 5 points de l'anniversaire. Allez, on y va. À la douche. Oh là là, c'est encore le bazar chez vous les gars. Hop, jeter partout. Prendre une douche. Nettoyer, toi. Holo, holi. Excusez-moi, j'ai du mal à le sortir, le holi. Et toi, bah va bosser un peu comme d'hab. Ah, ça y est, la barre a. Comme il faut, ça veut dire qu'il va pas tarder à passer tout seul comme un grand. Bon, il va être un peu triste hein, parce qu'on l'aura pas fêté, mais c'est pas grave. On peut gagner quelques points en attendant. Hop, on va accélérer tout ça. Tu dois avoir des fruits et légumes à vendre, toi, non? Bah oui, voilà. On va se faire un peu de pognon. Voilà, 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 voilà. Oui, je dis souvent voilà, voilà, non? C'est les tics de langage, c'est super dur. Parce que mine de rien, il faut causer pendant les vidéos. Et du coup, des fois, on se rend pas compte de ce qu'on raconte. Hop. Ah, il commence à avoir de l'argent, c'est bien. Parce qu'il va falloir redécorer la chambre d'Andrea dans pas très longtemps. Donc c'est très bien.
Oh, t'as encore des plantes à t'occuper, toi, Oh, t'es pas trop fatiguée, tu peux y aller. Ah, facile. Allez, faire évoluer. Entretenir le jardin, tout récolter, dormir. Et nous, on va se concentrer sur Andréa. Qui, de toutes les façons, va prendre de nouveau un jour de congé demain, puisqu'il a droit à 5. Et que, de toute façon, il a A, donc il ne peut pas avoir mieux. Ça ne sert absolument à rien de l'envoyer à l'école. Bah, c'est bien, on est déjà à 3 de logique. Dès qu'il aura fini, il va appeler, prendre un jour de congé, après aux toilettes et après au dodo. Voilà, voilà. Encore une fois. Allez, qu'on te voit grandir avant la fin de cette vidéo quand même, ce serait bien. Ce serait pas mal. Allez, va aller au lit. Alors, je sais plus à quelle heure il est né, donc je sais pas exactement à quelle heure on fête son anniversaire. J'espère que c'est pas dans trop longtemps, parce que j'aimerais bien qu'on finisse là-dessus pour pouvoir commencer la prochaine étape dès la prochaine vidéo. Oui, t'es en retard pour le travail, allez-y. Il y a toujours le petit Delgato là qui veut qu'on sèche les cours même quand on n'y est pas. Hein, c'est conceptuel. C'est conceptuel. Allez. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Il y a les toilettes. Bah vas-y mon vieux, vas-y. Ensuite, prendre des restes. Tu vas aller parler à tes plantes parce que... Je crois que tu t'ennuies un petit peu. Allez, toi t'en es où? Tu vas pas dormir toute la journée. Non, tu fêtes toujours pas ton anniversaire, non? Bon bah tant mieux, remarquez, moi ça me fait gagner du temps pour l'étape d'après, mais... Mais bon... Je sais pas à quelle heure il fait son anniversaire. Ce qui devrait pas tarder puisque la barre est toute scintillante. Ah! Non, toujours pas. Non, on va pas aller aux épices, on n'a pas que ça à faire. Céleste est revenue du travail. Elle aussi, elle va pas tarder à vieillir. Allez hop. Ah, c'est bien, tant qu'ils deviennent adultes, on aura bien avancé la barre logique. Ça va rapporter pas mal de points. C'est bien, c'est bien. Ah bah voilà. Donc Andréa a vieilli, donc il va falloir qu'on lui choisisse des traits. Donc on va essayer de choisir des traits qui peuvent nous être utiles, n'est-ce pas? Alors... je pense qu'on va prendre connaissance. Sims aux multiples talents. Je pense que ça va pas être mal ça. Ensuite. Génie. Oh, génie, ça peut être pas mal. Amateur d'art, geek, aime la musique. De toute façon, tout peut être bien, donc presque tout. Écoute, on va prendre génie, hein, parce que... Hop. Et on va aller voir à quoi ressemble un petit peu ce petit, quand même. Allez. Il va falloir revoir la coupe de cheveux, par contre. Hein. Sinon, le reste a l'air pas mal, mais la coupe de cheveux, c'est pas ça, hein. Vas-y, regarde-nous. Ouais, sans le sourire nier, c'est possible? Non, c'est pas possible. Bon, bah écoutez, il est pas mal.
sais pas d'où sortent tes sourcils bizarres, mais on va quand même aller le passer au relooking. Oh, mon Dieu. Parce que les vêtements, c'est pas ça. La coiffure, c'est pas ça. Donc, écoutez, moi, je vous propose, on va arrêter là la vidéo. Je m'occupe de le relooker et on se retrouve avec un Andrea tout beau, tout neuf et le début de l'adolescence dès la prochaine vidéo. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien et puis on se retrouve très vite pour la suite. Voilà, bisous!